Desde la década anterior, las ciudades de Dios y de la verdad. Sí, sí, sí. Ay, no te lo entiendo. Parce que les restes sont achetés. Donc, le
combiné qui donne le centre, c'est le système porte. Et le pied du malchanceux, c'est le port. Alors, le centre veut aller monter à travers le froid vers la veine des veines sympathiques, vers la veine des veines, vers le cœur. Et le froid est un filtre. Et ce filtre, quand il est bouché, ça va devenir un obstacle à l'écoulement du système porte. Ce qu'on appelle la cirrhose. Réalité, ce qu'on appelle un bloc intra-éperfé. Cirrhose, ça veut dire kyros, kyre, c'est le froid, et rose, c'est la couleur rouille du froid. Donc c'est un, c'est pas normal, enfin, c'est très pas délicat de dire cirrhose du froid. Parce que quel cirrhose il va prendre à l'origine latine du mot. Donc ça ne sert à rien de dire il a une cirrhose du froid, il a une cirrhose. Le truc, il a la cirrhose du boulet, on va le choix, c'est un terme emprunté. Quand on dit à une cirrhose, le sang qui veut monter du système porte, il y a un peu de poids, il y a un obstacle, il y a un jacques, la pression dans le système porte, on demande hyperpression portale ou hyperpension portale, où est-ce que ça va prendre? Dans le truc des tuyaux qui a, je connais les anastomoses que je vous dis aujourd'hui, les anastomoses porto 4, ça veut dire. Il se trouve au niveau du gardien. L'œsophage abdominal et le gardien sont drainés en même temps par des veines préniques tributaires du système K et des veines oso-calculaires qui vont vers la veine vestigeuse, vers le système porte. Quand la pression augmente dans les veines du système porte, ça va dilater les veines et ça va donner des balises oesophagiennes éventuellement. Une des balises oesophagiennes et une hémorragie. Deuxième anastomose et conséquence, c'est l'anastomose périphérique en médical entre les veines du ligament et les veines qui vont vers le système porte et les veines épigastriques qui vont vers le système cap. Conséquence, circulation veineuse et hémorragie. Troisième étape rectale, veine rectale supérieure au système porte, veine rectale moyenne et inférieure au système cap. Donc, anastomose portocarpe et monoprime. Quatrième, le pilipone par étape est drainé par le système K. Le pilipone viscéral, comme les organes, est drainé par le système porte. Hypertension portale au niveau du système porte viscéral, augmente donc toute la pression portale, augmentation de la pression en body, hyperfiltration, acide. En état d'équilibre, elle a l'état de liquide péritoneal ou le système là, il est de plastique. Mais que l'autre, c'est dans l'hypertension portale, il est de liquide. Donc, est-ce que la dernière conséquence, c'est la conséquence hépatique. Regardez, chez l'embryon, le foie n'est pas fonctionnel. Le foie n'est pas fonctionnel. Donc, elle est à l'époque, sur une boucle, elle est à l'oral, à la date de 24 ans antérieure. Vous l'avez là, c'est le diaphragme. Donc évidemment, même quand l'intérieur passe, elle traverse le diaphragme, je sais qu'il faut vous donner une oreille droite. Je vais dire la veine porte. Le son portable de l'embryon, l'hôpital de portable, il y a aussi dans un canal, qui est anastomose, directement, la veine porte, la veine carpelle qui s'appelle le canal de l'ancien. Mais nous, elle est veine fusipatique. À la naissance, ce canal de l'ancien se bouche, qui est poigné pour le ligament veineux de l'ancien. Oui, moi, le foie fonctionnel, sans veineux à l'avenir par la veine porte, qui est filtrée par le foie, on va atteindre une veine fusipatique par la porte. En cas d'hypertension portable ici, le foie manque de l'abri, il ne laisse pas passer le sang. Obstacle, toute la répression de la veine porte, donc toute la répression de la veine porte, ça va pousser sur ce canal. Et ça va le reperméabiliser. S'il est reperméabilisé, il y a une partie du sang veineux portal qui va être shunté.
même le système là directement. Donc ça va donner ce qu'on appelle une insuffisance. Est-ce que c'est clair? Donc ce sont les quatre cas, autopagienne, ambilicale, hépatique, rectale, pulmonale, et les conséquences qui en sont. Les anastomoses, c'est pas qu'on va vulgaire, oui. Les anastomoses de la région cardiaque, aux os cardiaques, sont en rentre des pertes autopagiennes, les pertes cliniques, les pragmatiques, oui. Les anastomoses de la région ambilicale, sont en rentre des ligaments, les pertes du ligament versicole, et les pertes du ligament ambilical, les pertes du ligament rentre. Les anastomoses rectales peuvent être à l'origine d'hémorroïdes. Les veines du péritoine viscéral sont l'un des systèmes de l'intérieur. Système fort. Péritoine viscéral, c'est la cellule de l'organe. Donc c'est le système fort. Avec le plan cérébral, né de la face antérieure de la rose, on regarde le T12. Oui. La tête gastrique gauche est constamment une branche du plan cérébral. Non. Il est rétro-péritonaire. Oui. La tête gastrique gauche est la branche la plus positive. Non. Le plan cérébral, ça reste moins avec les branches de la tête mésentérique inférieure. Non. A, ah, C. La tête du nerf fournit la lutte de pancréatique à fait. Non. Croix supérieure, antérieure, supérieure, postérieure, la tête du nerf. Croix de la face postérieure de D2 et 1 se termine au bord inférieur de D1 en l'artère gastro-hypertrophique droite et de l'artère supérieure et antérieure. Oui. Fournit une croix latérale, la PDSP. Oui. Ça reste moins par ses branches terminales. Avec celle de la gastrique gauche. Non. La PDSA, les schémas des organes supérieurs, ou une détour remontant à droite, les schémas, si, qui tape la gastrique gauche. C'est des. La vascularisation de l'estomac est assurée par la gastrique, oui. La maison grise inférieure, l'hépatique propre, oui. Stade, la maison grise supérieure. Non, l'estomac n'est pas vascularisé par la tête de la tête supérieure. Non. Quel est le sens? La tête gastrique droite. Assez. La tête mésentérique supérieure. Née de la face antérieure de la haute, dans le verre de L1. Oui. Elle se termine dans le verre de l'émotion des adultes de l'air. Située à droite de sa veine. À gauche. Elle décrit le poisson mobile rétro-pancréatique. La terre appendiculaire est une branche de la terre hydrochronique, oui, pas les terminales, oui, c'est là. Avec la terre appendiculaire est une branche terminale, oui, le cercle anastomotique. Le cercle de la terre hydrochronique est formé par les branches antérieures et les branches antérieures. Le cercle de la branche hydrochronique est formé par les branches gastriques et deux artères gastro-ombilicales. Oui, la carte de la branche est formée par les branches ombilicales. Des appareils de l'organe. La quête d'ordre du bon transfert est destinée pour le transfert. Les arcades bon d'ordre existent au niveau du colon? Non. Elles existent au niveau de l'estomac. Déjà, c'est une arcade bon d'ordre, c'est la tête de l'organe. BCD. Allez, un peu de discussion des bouquins. La veine splénique chemine transversalement. De gauche à droite en se déplaçant au-dessous de la tête splénique. Oh, elle est un bon. Est-ce que la veine splénique est une veine transversale déjà? Oui. Vous avez à la veine splénique, c'est pas une veine verticale qui va la veine mésentérique supérieure ou de la veine. C'est une veine transversale. Mais je suis à droite. À donc de gauche à droite, en se déplaçant au-dessous de la terre. La terre est au-dessus de la terre extérieure et la terre est sur la face postérieure. Non, je trouve que vous avez ça nécessite un peu de gymnastique. La terre sphénique connaît que tout le sang venait de la rate. Alors on va poser ça, je pense que c'est tout le sang. Mais loin de la face antérieure de la haute, entre le plan cérébral et la tête mésentérique supérieure. Ah, oui. Laissez-moi, franchement, laissez-moi. Allez, franchement, pas. Je me donne là. Le plan cérébral qui peut arriver, qu'il est au-dessus des vaisseaux mésentériques et des vaisseaux spléniques, la colère. Du coup,
de la terre et des antérieurs supérieurs, puis pour la roue, au-dessous du plan céleste et des branches du plan céleste. Donc la reine de Sphénie va être entre le plan céleste et la terre des antérieurs. Mais c'est un détail de l'histoire. La terre des antérieurs supérieurs, c'est le plan céleste, c'est un grève de Dieu Dina. Oui, oui. Parce qu'elle donne les arcades du nom concrétique, elle participe à la formation des arcades du nom concrétique. La terre à la de l'île est une branche collatérale au tribunal de Dieu connu.